Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo budget et je préfère vous annoncer, cette vidéo risque d'être un peu longue puisqu'on va faire le bilan de la quatrième semaine et donc le bilan du mois et également le remplissage pour le mois de février. Donc on y va, c'est parti, à tout de suite. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skip. Voilà, donc comme d'habitude, je vais commencer par vous montrer les nouveautés de la semaine. Alors, il va y avoir du changement au niveau des nouveautés, puisque j'ai décidé que dorénavant, je vous mettrai une collection par semaine. C'est-à-dire qu'il y aura 1 à 6, 1 à 5, un défi. Voilà, donc pour cette semaine, c'est le thème de l'amour, puisqu'on arrive en février. Donc, je vous ai fait un défi Saint-Valentin, voilà, avec un tracker à l'arrière. Donc, il est peut-être un peu tard pour cette année, mais pour l'année prochaine, qui sait. Je vous ai fait également 3 marque-pages, voilà, donc sur le même thème, avec sur chacun une petite citation. Voilà, ils sont en recto-verso et plastifiés en 125 microns, ce qui fait qu'ils sont quand même pas mal rigides, ils risquent pas de s'abîmer. Du coup, voilà, pour ça. Et ensuite, viennent les classeurs. Donc, je vais commencer par le A6. Donc, c'est cette fois encore un budget mensuel. Voilà. Donc, on a sur la face avant, donc, budget, toujours en libre pour que vous puissiez mettre ce que vous voulez, ainsi que les montants et le oui du remplissage. Et à l'arrière, le tracker des dépenses. Du coup, voilà, hop, vous en avez 8, comme ça. D'ailleurs, je vais m'en refaire un pour moi parce que mon budget mensuel n'est plus valable avec toutes les nouvelles enveloppes que j'ai. Donc, je vais être obligée de le refaire. Voilà, voilà. Et à la fin, je vous ai mis un petit tracker épargne mensuelle. Donc, ça, c'est quand vous faites vos bilans hebdomadaires. Vous venez remplir ici vos économies, vous les mettez dedans pour faire le remplissage à la fin du mois si vous ne faites pas de défi. Et ensuite, une enveloppe banque. Donc ça, c'est admettons, vous avez besoin de 20 euros sur vous, enfin 20 euros pour la pharmacie. Vous les avez pas sur vous, vous faites une carte bleue. Vous prenez les 20 euros de l'enveloppe et hop, vous les basculez là-dedans. Et ça, ça vous sert le mois suivant. Ou le mois suivant, ou vous les remettez sur votre compte. Voilà, tout simplement. Hop, pour le A6, je me demande si je vais pas garder celui-là. Enfin, si je vais pas m'en faire un comme ça pour moi. Parce que j'aime beaucoup le thème. Hop. Et le A5, celui-ci, je l'adore. Personnellement, je le trouve magnifique. Vous allez me dire que je suis peut-être pas objective, mais je suis assez fière de moi. De toute façon, si j'étais pas fière de moi, je l'aurais pas mis en vente. Je l'aurais même pas fabriqué tout court. Donc voilà, encore un classeur épargne et toujours sur le thème de l'amour. Donc avec une enveloppe pour Noël, donc avec le tracker et l'enveloppe comme d'habitude. Fonds de secours, voilà, j'ai mis des petits cœurs sur les enveloppes en paillettes. C'est juste magnifique, je trouve, avec des espèces de confettis un peu cheveux d'ange coupés, vous savez. Enfin bref, voilà, je trouve ça super joli, ces enveloppes. Ensuite, anniversaire, santé, vacances, voiture et régule. Ça, c'est pour les factures de régularisation EDF et tout ce qui s'ensuit. Hein. J'ai mis régule parce que c'est plus large. Et comme d'habitude, je vous ai quand même mis le défi d'or et le défi 5 euros. Voilà, deux petits défis par lesquels il faut commencer quand on débute les enveloppes budgétaires, qui sont très faciles. Et voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de cette collection. Donc, comme je vous ai dit, maintenant, je fonctionnerai par collection. Je pense qu'il y a pas mal de choses que je vais retirer sur la boutique. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à y aller, puisque je pense que la semaine prochaine, je vais faire un grand ménage sur ce que j'ai sur la boutique. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Je vous rappelle qu'il n'y en a qu'un de chaque. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas trop longtemps. Par contre, pour les marque-pages et le défi, ça, c'est voilà, c'est en illimité. Hein. Ce n'est pas un stock limité de 1. D'ailleurs, ces 3-là ont déjà été vendus. Donc voilà, je suis très contente. Nathalie, si tu passes par là, voilà. Hop, ça c'est fait. Donc, on va pouvoir passer au bilan de la quatrième semaine. Donc, je prends mon portefeuille et on est parti déjà pour le porte-monnaie. On fera ensuite le classeur mensuel et ainsi de suite, comme d'habitude. Alors, pour les courses, on avait mis 40 euros dans l'enveloppe. Ils y sont toujours. J'ai pas eu besoin de refaire des courses. D'ailleurs, en parlant de courses, je vous invite à regarder mes vidéos retour de courses de la semaine prochaine. Vous allez être choqués.
Resto, ici, il nous restait 10 euros. Le reste était dans le budget mensuel qu'on va sortir juste après. Loisirs, bah, j'ai toujours mes pièces de 2 euros. Hein, ça n'a pas été utilisé. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Ici, j'ai 8 euros en monnaie qui n'ont rien à voir avec le budget mensuel. C'est parce que j'ai pris 40 euros dans mon enveloppe épargne maison pour aller acheter des cintres pour refaire le dressing de Romaine et également pour en rajouter dans le mien. Et voilà ce qu'il me reste. Donc 5, 7, 5, 7, 9, 11, 12, 12 euros et des petites pièces que je vais mettre de côté. Hop, voilà. Je vais même les mettre directement dans mon pot, puisque comme je vous l'ai déjà dit, je ne compte pas les petits centimes. Même les 50 centimes d'ailleurs. Hop, ça sera pour utiliser à Casino. Dans le recycleur. Et ensuite, pour moi, il me reste donc les 50 euros que j'avais mis du remplissage des épargnes. Et il me restait 6 euros. 6,10 €, donc le billet de 5, je vais le mettre ici. La pièce d'un euro également. Voilà. Puisque je ferai mes défis avec ça. Hein. Par contre, les 50 euros, je les laisse de côté pour les mettre dans mon. Non, je vais les mettre là, je vais les compter. Mais ça va dans mon défi. Je prends soin de moi. Voilà pour ça. Maintenant, on passe au classeur mensuel. Donc, budget alimentation, ben on avait tout mis, hein, ça c'est fait. Budget fonds de secours, il y est toujours, donc on le retire. Loisirs, on avait tout mis dans le portefeuille. Resto, il nous restait donc les 50 euros, voilà, qu'on n'avait pas touché. On n'avait utilisé que 34 euros pour des pizzas, c'est tout. Pour ce mois-ci, c'est cool. Perso, c'est mis. Santé, les 30 euros, ils sont toujours, mais je vais les répartir dans différentes épargnes, puisque comme je vous l'ai dit maintenant, je fais un virement directement sur mon livret, sur mon compte sur livret. Boursorama que j'ai mis exprès pour la santé, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, si je dois prendre des médicaments ou quoi, j'aurai forcément besoin de ma carte bleue, donc je préfère le faire comme ça dorénavant. Donc là, ces 30 euros là, je les ai déjà mis sur mon compte sur livret. Shopping, on n'y a pas touché, les 50 euros sont toujours là. Et essence, c'est un budget virtuel, on avait fait le plein, donc voilà. C'est fait, c'est réglé. Donc voilà pour ce qui nous reste de ce mois-ci. Et donc on a économisé 50, 100, 150. Mais 50 euros, je les compte pas parce que c'est pas du budget. Je vais même les laisser là. C'est pas du budget mensuel. Ça, c'est du plus de ce qu'on a mis en épargne. Donc 150, 170, 190, 210, 230, 240, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24, 26, 27, donc 267 euros d'économie sur la dernière semaine. Et c'est normal, hein, puisque c'est la semaine où on vide le classeur mensuel, forcément, c'est une semaine où il y a beaucoup d'économies. Donc je vais tout de suite remplir mon tracker des économies de la semaine. Voilà, pour qu'on sache exactement où on en est. Donc je vais le mettre. Alors ici, je dois rajouter du coup 1000 euros qu'on a mis en espèces. Voilà. Et ici, on a dit 267 euros. Je n'ai pas compté les petites pièces, on s'en fiche. Donc voilà, ça nous fait un total ce mois-ci d'épargne, enfin d'économie, d'épargne de. Alors, je ne vais pas compter les 1000 euros puisque ce n'est pas du budget mensuel. Ça, c'est 1000 euros de la vente de la moto. Donc je ne les compte pas, même si c'est épargné pour ce mois-ci. Donc 500 plus 12,55 plus 66,30 € plus 60 plus 267 euros, 905,85 € ce mois-ci d'économie et plus les 1000 euros qu'on a mis, donc 1900 euros d'épargne ce mois-ci. C'est génial. Voilà, de toute façon, moi, je ne sais plus comment vous dire. Allez-y, foncez sur le système des enveloppes budgétaires si vous ne le faites pas encore vraiment. Allez-y. Alors j'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas s'il faut que je zoome davantage ou pas. On verra sur le rendu au montage. Donc voilà pour ça. Donc on va remplir maintenant nos défis. Donc on va commencer par les défis. Hop, j'en ai un petit peu partout. En même temps, hein, si c'est pas le bazar sur mes vidéos, c'est pas drôle. Donc voilà. Alors 5 euros, on en a deux. Je suis joie.
Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Hop. 25 et 30 pour celui-ci. Et je vous rappelle qu'on a toujours les billets de 5 de l'année 2022, hein, puisque ça nous servira pour les vacances. Hop, hop, hop. Je me demande quand est-ce que je vais pouvoir faire une liasse. Ça vient pas vite. Ça, je vous l'ai dit, hein, les billets de 5 en ce moment, moi j'ai du mal. Hein. Alors, ça, pour le moment, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Oui, celui-ci, on va le faire. Alors, je voulais mettre directement 2 semaines. Donc, comme ça, si je peux l'avoir fini avant, c'est pas plus mal. Donc, je vais mettre un billet de 50. Voilà, et je vais récupérer à 20 euros. Je rangerai les billets comme il faut dans les enveloppes. Hein. Et je remarque que j'ai rempli absolument aucun tracker. Donc on en est à 100 euros à ce que je vois. 10, ça fait 30, 40, 60, 70 plus 30, 100, c'est ça. Moi, je vais remplir le tracker à la date d'aujourd'hui, hein, tant pis. Et nous sommes le 26. On est jeudi, hein. Je vous la fais aujourd'hui parce que de toute façon, je commence mon nouveau budget. Demain, j'ai fait mes courses pour le gros plein du mois. Donc voilà, pour moi, le mois de février commence déjà. Donc 26 janvier, dépôt 100. Voilà, il faut absolument que je pense à remplir mes trackers au fur et à mesure. Voilà, donc je suis allée chercher un petit morceau d'éponge magique, puisque j'ai décidé également de ne plus faire baver mes trackers. Beaucoup de décisions, hein, vous avez vu un peu? Ça, c'est le fonds de secours. Donc là, je dois y mettre les 50 euros qu'on n'avait pas utilisés. Et donc, je reste sur mon truc de faire les plus grosses enveloppes. Donc là, je vois 31. Ouais, 31 et 19. Voilà. Ah, il y avait un 33, tant pis. C'est pas bien grave. De toute façon, on en remettra. Hop, 50 euros. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Ah, il est là. Alors, le 26 janvier, dépôt 50 et nous sommes donc à 233 euros. C'est génial. Voilà. Je suis trop contente. Bon, après, les 100 euros qu'on a mis grâce à la moto ont bien permis de gonfler. Hein. C'est... Voilà. Donc, je vois que j'ai des billets de 10 ici. Je vais les retirer. Hop. Et hop, toujours ce fameux billet qui ne veut pas se déplier. Alors, 150, 2, 4, 6, 8, ça fait 230, 2, il doit y avoir une pièce d'un euro derrière, oui, c'est ça. Yes, jusque-là, on ne fait pas de conneries, c'est cool. Je vérifie ce qu'il me reste. Hein. Voilà, ça c'est fait. Défi pack, il est clôturé. Ici, pour l'instant, on s'en fiche. Défi kilo en moins, j'ai reperdu 1 kilo, donc je dois y mettre 4 euros. Voilà. Hop, hop, 4 euros. 2, 4, 6, 8, 10, yes. 2, 4, 6, 8, 10, je vais y mettre un billet de 10. Ça partira dans le défi des 2 euros, au pire. Voilà, premier billet de 10 euros. Ici, je vais venir mettre mes 50 euros que je n'avais pas utilisés. Donc, 20, 40 et 50. Voilà. Je suis contente de les avoir sauvés parce qu'en ce moment j'ai une furieuse envie de racheter des livres. Je lutte, mais à un moment donné, je vais peut-être craquer. Voilà, je remplis mon petit tracker. Voilà, on est bon. Allez, le défi poker, on passe au défi rigolo maintenant. Je vous mets un petit peu comme ça. Hop.
Allez, on trie. Voilà, on coupe, histoire de faire les choses bien. Une, deux, trois, une paire déjà. Ah, un brelan. Quatre, cinq. Bah, du coup, c'est clair, on va enlever ces deux-là et garder le brelan, hein, c'est logique. Quatre et cinq. Dommage qu'on n'ait pas fait un carré. Alors, un brelan, c'est 5 euros, encore une fois, décidément. Et j'ai toujours pas mis d'enveloppe zip. 2, 4 et 5. Voilà pour ça. Ça c'est fait. J'allais oublier le tracker, n'est-ce pas? 5 euros. Et on en est donc à 15 euros dans celui-ci. Ça grimpe tout doucement, mais sûrement. Voilà. Les cartes, je peux les ranger. C'est terminé pour le moment. On va passer au défi Monopoly. Je prends les deux dés dans ma petite boîte à pièces. Et c'est un 11. Alors, on en était ici. Alors, je vais en profiter pour effacer l'épreuve de mon passage. Hop. Alors, 11. Je range les... Ah ben non, j'en ai encore besoin après. Est-ce que vous y voyez? Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouf, on arrive sur les gros montants là. 18 euros, messieurs, dames. Et ça m'arrange pas. 18 et 5, 23. Donc, je vais faire ça. Hop. 20, 22, 23. Voilà qui est bien mieux. Comme ça, je remets un billet de 5. À moins que je tombe dessus ici. On va voir. Alors, 26, toujours, on n'a pas changé de date. Ici, j'ai marqué 10 au lieu de 26,0. Il faut le faire. Dépôt, on a dit 18 euros, ce qui nous fait 34. Les comptes sont bons. Il monte bien celui-là, ça va aller vite. Voilà, l'avantage, c'est qu'en bas, dans celui-ci, en bas, vous avez des gros montants, mais c'est le seul endroit. Après, ici, le maximum, c'est... ouais, ça commence là, en fait. Hop, tout ça, vous avez des gros montants. Et encore gros, tout est relatif. Et ensuite, c'est des petits, donc il est facile à faire. Voilà. Ensuite, le Joaniconum. 3, on en était où? Ici. Donc, on va venir effacer la petite croix. Hop. 1, 2, 3. Ah, je monte. Ah non, c'est celle qui descend, ça. 3. Hop. Et elle, c'est 3 euros. Ben voilà, je vais venir faire. Hop, je récupère les 2 euros ici. Ça fait 5 euros. Je récupère les 2 billets de 5. Je joue à la marchande encore. Et je mets les 10 euros. Je savais que ces petits billets de 5 allaient revenir. Dans mon défi 5 euros à un moment ou à un autre. Hop, et on vient remplir le tracker pour être sérieuse. Dépôt. 3 euros, ce qui nous fait 10 euros. Voilà, et je m'aperçois que j'ai fait que 3 tirages. Donc je me demande si je vais pas faire un tirage supplémentaire pour la quatrième semaine. Enfin, j'avais pas fait la première semaine. Donc est-ce que je ferai pas si je vais faire un tirage supplémentaire? Allez, j'ai envie de m'amuser. Et de toute façon, tous les défis sont faits et je remplis mes épargnes en début de mois, donc autant s'amuser. Hop là, 6. On est où? Ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Eh bien, c'est 21 euros. Voilà, comme ça, j'aurai mes 4 semaines. Je suis contente, j'ai plus de retard. Donc, hop, 20, 2, 3, 4. Je vais remettre un billet de 5, la blague. Ah non, je vais mettre un billet de 10. Attendez, je suis en train de me perdre. Non. Ouais, je vais mettre un billet de 5. Hop, tant pis. Tant pis, tant pis. Ce qui nous fait du coup maintenant 45 euros ici. Hop.
J'évite d'avoir des pièces dans mes classeurs, hein. C'est pour ça que je m'amuse à faire la marchande. Voilà. Donc le 26 janvier, dépôt à 21 euros. Et je sais pas vous, mais moi je suis complètement perdue là sur le remplissage. Je vais être obligée de tout re-regarder pour pouvoir mettre sur mon agenda. 45. Hop. Et on refait un petit tirage du Joanikonome. 5. Et ce sera bon pour aujourd'hui au niveau des défis ludiques. 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est 3 euros. Ah bah je me suis trompée tout à l'heure, c'est pas possible. C'est pas le même. Ah bah si, c'est le même en plus petit. Pff. 3 euros, hop, encore une fois. Donc 2 et 1, 3. Voilà. Et du coup, on monte à 13 euros. Je suis contente, comme ça, j'ai pas de retard dans mes semaines. C'est génial. Voilà, j'ai rattrapé tous mes retards grâce aux économies fin de mois. C'est génial. Derrière, c'est tout, c'est fini. On va pouvoir mettre le reste. Du coup, ah non, je dois mettre mon billet de 5 euros ici. Hop. Du coup, ça nous fait 35. Voilà. Ça, c'est fait. On va pouvoir remplir là pour ce qui est des défis et du fonds de secours. Et ensuite, on viendra placer le reste. Alors, le seul problème, c'est que je ne me souviens pas du tout. Fonds de secours, je sais qu'on a mis 50. Défi 5 euros, on en a mis 3. Donc, ça fait 15 euros. Défi 52 Wix, on a mis 30 euros. La monnaie, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Hop, pardon, désolé pour les oreilles. Et 2, 28. Voilà, et il nous reste 50, 70, 90. Ben, c'est pas compliqué, enfin, la soustraction du coup. Hop. 267 moins 90 moins 15 moins 30 moins 28 moins 50. On a mis 54 euros dans les défis. C'est cool. Voilà. C'est génial! Et en épargne, du coup, bah, il y aura les 90 de plus. Alors, où pouvais-je les mettre? Bon, ça, je vais le garder pour après. Donc, je vais mettre dans mon défi sans étoile 50 euros. Voilà. Hop. Donc, je vais faire 49. Oui, 49,50 euros. Et 50 centimes. Voilà. Ça, c'est l'équivalent du défi sans enveloppe, hein. Et comme je vous l'ai dit, ça sera pour nous faire un voyage quand on aura terminé l'entièreté du défi sans enveloppe. Donc plus vite on l'aura fini, plus vite on partira en vacances. Pour tout dire. Donc voilà. Donc 26 janvier. Dépôt. 50. Et nous sommes donc ici à 100 euros. On en est loin, il manque 2400 euros. Ça, c'est fait. Mais bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà pour ça. Et ici, les 40 euros qui restent, je vais venir les mettre dans achat maison. Puisque je dois acheter deux bibliothèques, puisque je veux remplacer. Là où je mets mes livres, en fait, je vais enlever les étagères et mettre des vraies bibliothèques, parce que j'en ai marre que ça soit mal rangé, voir mes livres comme ça, mes livres de poche par terre, ça me va pas du tout. Donc il faut que je fasse quelque chose pour améliorer ça. Donc il faut absolument que je gonfle cette enveloppe. Et on a également le canapé à acheter, comme vous le savez. Du coup, voilà, plus vite je l'aurai monté, mieux ce sera. Hop, allez.
Ouais, là, par contre, ici, j'ai pas mis. Alors, je vais le mettre où? C'était le 21 janvier, il me semble. Retrait 40, ce qui fait 210 euros. Et là, bah, j'ai remis 40, du coup, 26 janvier. Dépôt. C'est bien, j'ai remis ce que j'ai dépensé. C'est cool. 250 euros. Voilà, je vérifie que ça filme toujours. C'est un détail qui a son importance, n'est-ce pas? Du coup, voilà pour ce bilan. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis super contente. J'espère que votre mois à vous s'est également bien passé. Et voilà, vous me direz en commentaire comment ça s'est passé pour vous, si votre bilan est positif ou si tout au moins vous n'avez pas dépassé votre budget déjà. C'est déjà une bonne chose. Du coup, voilà, on va pouvoir faire le remplissage du mois de février. Alors là, je vais galérer puisque aucun de mes supports, du coup, n'est adéquat avec mes enveloppes, malheureusement. Donc, je vais être obligée de cafouiller comme la dernière fois. Oui, messieurs, dames, nous cafouillons, nous cafouillons. Ça va rester là. Ça, c'est bon. Je vais enlever, je pense. Ah oui, mais j'ai pas de. J'allais dire, je vais enlever essence, mais non, j'ai pas d'enveloppe qui va avec. Bon, de toute façon, je vais le refaire cette semaine, hein, donc on va faire comme ça pour le moment, on verra ça plus tard. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas commencer par alimentation, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai fait mes courses et je vous dirai à la fin ce qu'il me reste pour le mois. Donc, on a 100 euros en liquide, enfin, liquide cigarette électronique, 100 euros en essence, ça c'est en virtuel. Si je ne sors pas mes billets, on ne va pas y arriver. Voilà. Donc, on a 80 euros en loisirs. Donc, 20, 40, 60 et 80. Je laisse 20 euros de côté pour mettre dans mon porte-monnaie. Voilà. Hop. On va essayer de gagner un petit peu de temps sur le temps de la vidéo. Voilà, ça c'est pareil. J'ai envie de m'acheter un classeur à 7. Je ne sais pas, je réfléchis. On verra. J'ai encore envie de changement, vous allez dire pour changer. Ça, c'est fait. Resto, 100 euros. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mis sur alimentation? C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Loisirs, c'est ici. Voilà. Là, c'est l'habitude de commencer par l'alimentation, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon feutre encore? Ah oui, je l'ai rangé. Je me fatigue. Donc, première semaine, donc le budget loisir, c'est 80 euros pour le mois. Première semaine, 20 euros. Je vais remplir ça. En même temps, comme ça, c'est fait, j'aurais pas à y revenir. Voilà, première semaine, c'est rempli. C'est une bonne chose. Vous avez vu, je suis sérieuse, hein, je tamponne avec mon éponge et tout à chaque fois maintenant. Alors ensuite, resto, 100 euros. Je vais y mettre deux billets de 50, puisque c'est une enveloppe au mois. Voilà. Voilà, je fais pas de remplissage, hein, comme je vous l'ai dit, au moins, ça reste au moins. Perso, on verra ça après. Santé, du coup, elle n'existe plus, celle-ci, je vais pouvoir la remplacer. Je vais pouvoir y mettre beauté, par exemple. Voilà. Beauté, 70 euros. Pareil, c'est une enveloppe au mois, donc pas de remplissage du portefeuille. Hop. Ça, c'est fait. Alors, je vais faire une croix devant ce que j'ai mis déjà. Hop, hop, c'est bon. Loisirs, c'est bon. Resto, c'est bon. Beauté, c'est bon. Ensuite, on a shopping, 50 euros. Elle est juste ici. Ça, c'est également une enveloppe au mois. Et là, je pense que je vais en avoir besoin puisqu'il faut impérativement que j'achète des chaussures pour Aria. Elle a grandi d'un coup des pieds, là. Ses chaussures, elle a les pieds comme ça, dedans, un peu cher. Donc là, on va s'en occuper. D'ailleurs, je pense que je vais les mettre directement dans le portefeuille. Ouais, hop, comme ça, c'est fait, c'est réglé. Je ne vais même pas les laisser là. Parce que de toute façon, si j'y vais pas aujourd'hui, on ira demain. Par contre, j'ai pas de petite enveloppe shopping, donc je vais les mettre ici.
Voilà. Pour ma boulette. Shopping, du coup, c'est fait. Donc, on a maintenant fonds d'urgence. Où est-ce que je l'ai caché? Il est là. Et c'est 50 euros pour le mois. Voilà. Qui est fait. Et ensuite, Seb et moi, 80 euros chacun. 2, 4, 6, 8, 80 euros pour Seb. 2, 4, 6 et 8, 80 euros pour moi. Donc, je vais mettre 20 euros par semaine pour être un petit peu raisonnable, parce que si je prends tout sur moi, je vais craquer. Je vais aller à Cultura, je vais m'acheter 4 livres. Et c'est pas franchement une bonne idée. Voilà. Qui est fait. Et là, du coup, il va nous rester l'argent des courses et ensuite on fera le remplissage des épargnes. Donc, combien nous reste-t-il? Hop, j'ai vérifié hors caméra que je n'avais pas fait d'erreur. Donc, 50, 100, 150, 200, 250, 1, 2, 3, 4, 5, 350, 390 euros. Donc, j'ai fait mon plein de courses en frais et en Club Leader Price pour un total de 210 euros. Donc, je vous laisserai aller voir mes vidéos retour de course pour que vous voyez tout ce que j'ai eu pour ce montant-là. Très honnêtement, voilà, je suis joie. Donc, 210 euros. Je ne sais plus combien j'ai dit. 100, 200, 250, 350, 390. Voilà. Alors, il nous reste donc à la base, on avait 600 euros. Hop, il nous reste. Non, c'est pas là. Qu'est-ce que tu fais, Nifer? Tu fais des counailles. Alors, on avait 600 euros. Hop, on a mis 210 euros en virtuel et 390 en réel. Donc, il faut répartir ces 390 euros sur les 4 prochaines semaines. Donc, je vais mettre 90 euros pour cette semaine, même si je suis sûre qu'il n'y aura plus besoin de courses. Et 100 euros pour chaque semaine suivante. Voilà. Qui devrait être amplement suffisant, voire même beaucoup trop, vu la quantité de courses que j'ai eues. Je pense qu'on va faire des belles économies ce mois-ci. Je vais être honnête avec vous, hein, le but du jeu, c'est de faire 50% d'économies sur mon budget mensuel. Donc j'aimerais qu'à la fin du mois, j'ai 300 euros d'économiser sur cette enveloppe, avec la façon dont enfin la façon que je viens de faire. On verra si ça fonctionne ou pas. En tout cas, je l'espère. Donc j'ai dit 90 euros pour cette semaine. Hop, voilà. Et à 100 euros pour les prochaines semaines. Donc 100 euros pour la semaine 2. 100 euros pour la semaine 3. Et 100 euros, 1, 2, 3, 4, 5 pour la quatrième semaine. On est bon, il n'y a point d'erreur. Voilà. Donc là, théoriquement, déjà cette semaine, les 90 euros que je vais mettre dans mon porte-monnaie, à peu de choses près, devrait y rester. À moins que j'ai besoin de... Oui, je vais avoir besoin de nouilles chinoises chez Action. Donc, il y aura peut-être 20 euros qui va partir parce que je vais acheter deux, trois conneries comme ça en plus. Mais théoriquement, les 90 euros devraient pouvoir revenir directement en épargne pour cette semaine. Donc voilà, je vous laisserai aller voir mes deux vidéos de lundi et mardi sur l'unboxing, le Club Leader Price et surtout le retour de course de Géant Casino. Vous l'aurez celui-ci mardi. Et vous allez voir qu'on peut encore faire des super affaires malgré l'inflation, quoi. En faisant les choses un peu différemment de d'habitude. Du coup, voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remplir les épargnes pour le mois. Et on a donc 450 euros à placer en épargne. Hop, j'ai un billet qui s'est esquivé. Donc je fais une pause 30 secondes, le temps d'installer les billets et je vous reprends. Voilà, mes billets sont installés et là c'est galère annoncée hein, puisque j'ai que des billets de 20. Ça va être compliqué. Alors, on va commencer par le fonds de secours alimentaire. On y met 50 euros
ce mois-ci. Hop. Voilà. Ce qui nous fait 170 euros. Donc le 26 janvier, toujours dépôt 50 euros. Ça nous fait donc 170 euros dans cette enveloppe. C'est cool. Pareil, je vais cocher. Hein. Hop. Anniversaire, c'est dans celui-ci. Donc on y met les 80 euros habituels comme tous les mois. Il est là. C'est bien ça. Et ça m'embête de pas avoir le billet de 10. Donc 2, 4, 6 et 8. Et celui-ci, je vous l'ai dit, il bouge en février puisqu'on a deux anniversaires déjà. Hop là, j'essaye de vous poser correctement pour que vous y voyez le mieux possible. Le 26 janvier, dépôt plus 80, ça nous fait donc 240. Voilà. Et je vais venir barbouiller ici. On barbouille, on barbouille. Ensuite, donc anniversaire, c'est fait. Noël, 50 euros, toujours. Pareil, ça, c'est un défi où je dois absolument mettre tous les mois. Je n'ai pas le choix. Et nous en sommes ici, donc, du coup, à 200 euros. Et là, c'est combien que je dois mettre, 50 euros? Oh, mince. Voici, oh, je vais faire ça. Hop, 2, 4, 6. Voilà. Et je vais retirer les 10 euros. La solution est trouvée. Le 26, dépôt 50. On en est déjà à 200 euros pour Noël prochain. C'est cool. On est qu'en janvier. Je veux dire, on est bien. Sachant que c'est 50 euros par mois à partir de janvier. Donc, je devrais en être qu'à 50 euros normalement. Donc, j'ai déjà 3 mois d'avance. C'est plutôt cool. Ce qui fait que je l'aurais fini bien avant aussi. Si je pouvais l'avoir fini en septembre, ça serait cool. Comme ça, je fais comme cette année, je recommence directement pour l'année d'après. Ou alors, je mets dans d'autres enveloppes, je ne sais pas, mais enfin, j'aime bien comme ça. Ensuite, on passe aux épargnes des filles. Et c'est là que ça va commencer à cafouiller. Ah, quoique, non, ça va, il y a des billets de 10. Ouf, on est sauvés. Alors, Romaine, 30. Qu'est-ce que c'est, cette petite enveloppe-là? Ah, c'est santé. Faut que je les enlève pour les remettre à la banque. Allez, hop, 30 euros, comme tous les mois. Je vais retirer le billet de 10. Voilà. Et je vais mettre 40, n'est-ce pas? Et je remarque sur celui-ci que le tracker, évidemment, n'est pas à jour. Sinon, c'est pas drôle. Mais bon, celui-ci, je peux pas trop le mettre à jour parce que Romain, elle vient piller sans arrêt ses enveloppes. Donc, voilà quoi, petite dépensière. Romaine, c'est fait. Elisa, 30 euros également. Et là, c'est cool parce qu'elle, elle a des. Alors, déjà, je vais faire hop et hop. Je viens récupérer un billet de 10 euros. Voilà. Il lui en reste deux que je vais également retirer. Et je vais mettre un billet de 20. Voilà. Et je vais tout ranger parce que là, ça dépasse les Bagdad. Hop, est-ce que j'ai coché? Non, j'ai pas coché. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 140. Ah oui, il y a son argent de Noël également. Donc c'est ça. Elle est à 240 euros, Elisa. C'est cool pour elle. Elle est riche. Voilà. Ensuite, Jonah, c'est comme je vous l'ai déjà dit, un prélèvement mensuel, donc c'est dans mes charges fixes. Ça, c'est l'argent qu'elle a épargné pour son argent de poche du voyage, de ce qu'elle a eu à Noël. Et Aria, 20 euros pour ma Ninette. Voilà. Ça, c'est fait.
Voilà pour elle. Donc elle s'est séparée là, elle a son argent donc elle a récupéré de ma mère et mon frère à Noël. C'est épargné, on n'en parle plus. Alors, Romane, Elisa et Aria, c'est fait. Alors maintenant, on passe à charge fixe. On a décidé de mettre 20 euros. Ça me fait 120 et je vois que mon tracker n'est pas à jour. Excusez-moi. Alors, excusez-moi, j'ai été coupée par un appel de Jonah. Ça m'a mise en panique et finalement, c'est rien. C'est juste qu'elle a eu la date de son bac blanc de français. Donc, elle était en stress, une bichette. Donc, elle m'a appelée pour se calmer. Bref, voilà, ça c'est fait. Donc, ensuite, on a voiture. Alors, comme vous pourrez le constater, je ne connais toujours pas par cœur, mais voilà, c'est ici. On a 30 euros à mettre. Donc 10 et 20, ça nous fait 30 euros. Voilà. Décidément, cette vidéo, ça va être la plus longue que j'aurais jamais faite en vidéo budget. Alors, le 26 janvier, dépôt. 30 euros, ça nous fait 260 euros dans celle-ci. Hop. Ça monte bien, hein, toutes ces enveloppes, c'est cool, je suis super contente. Et comme je vous l'ai déjà dit, heureusement qu'on a vendu la moto, ça nous a permis de bien les gonfler rapidement. Donc c'était une bonne chose, même si encore une fois ça a fait mal au cœur, mais bon. Ensuite, on a achat maison 50 euros. Hop. €50, ça nous fait donc 300 euros maintenant. 20, 40 et 50. Il faut vraiment que je range là les billets parce que ça devient un foutoir là-dedans. Voilà, qui est fait. Alors, 20, 50 euros, c'est le classeur pour le voyage, enfin pour le week-end de Seb. J'ai déjà mis celui du mois de janvier, donc je vais remplir celui du mois de mars. Voilà, comme ça, si jamais j'ai à un moment donné un problème pour le remplir, je sais que j'ai un mois d'avance. Donc au moins, c'est réglé. Et donc là, ça nous fait 150 euros de 4 et 5. Et il nous restera 20 euros pour Pâques et 20 euros pour école. Sauf que Pâques, j'avais dit, ouais, je vais les mettre quand même, c'est pas grave. Ça leur fera 20 euros de plus. Voilà, hop, 150 euros pour celui-ci. Et donc, école 20 euros. Voilà. Ça nous fera 90 dans celle-ci. Voilà. Hop. Je regarde si il n'est pas plus judicieux de mettre les 20 euros ailleurs plutôt que dans Pâques qui est terminé. Moi, ouais, je vais quand même leur mettre. Ça fera 130 euros au lieu de 110. Ça leur fera quelques chocolats supplémentaires. Surtout qu'Aria, il va falloir qu'on lui achète des chocolats sans gluten. Donc, ça va coûter un petit peu plus cher que prévu. J'ai hâte de la voir chercher les chocolats avec ses sœurs. Ça va être trop mignon. Je sais pas si vous, vous faites la chasse aux œufs. Nous, on aime beaucoup voir les filles chercher, même si les grands, maintenant, c'est de l'argent qu'on leur donne. Hein. Le chocolat s'en fout un peu. Mais elles cherchent les chocolats avec. Avec Lily et Aria, donc ça va être top. Ça va être trop marrant. J'espère que cette année, on le refera chez ma maman. Maman, si tu m'entends. Petit appel. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et voilà pour ce remplissage du mois de février. Donc, on est bien. Je vais venir remplir par contre pour le mois de février que j'ai placé les 450 euros. Je vais le mettre sur la première semaine d'économie.
Hop. Voilà, et comme d'hab ici, défi 5, 52 Wix, fonds de secours, défi généraux et monnaie. Voilà, et en parlant de monnaie, je vais venir tout de suite échanger des pièces de 2 euros que j'ai ici, puisque celui-ci, j'ai pas de tracker, hein, mais je continue à le faire. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Je vais y arriver ou pas? Voilà. Et il restera à 10 euros. Donc je vais les échanger dans alimentation, puisque si j'ai besoin de monnaie, ça sera surtout dans cette enveloppe-ci. Elle est là. Hop. 20 euros. Et voilà. Ça, c'est fait. Du coup, on en est dans le défi 2 euros à 2, 4, 6, 80 euros. Ça monte super vite, ça me fait halluciner. Moi, j'ai quasiment 20 euros par semaine, vu que je les utilise quasi pas, celles que je mets à l'intérieur. Donc forcément, ça monte vite. Hop, voilà. Et je n'ai pas donné de défi, enfin de destination précise à mes défis, donc je ne saurais vous dire à quoi ils vont servir. Je sais juste que le 52 Wix, comme d'habitude, ira sûrement dans le fonds de secours, je pense. J'ai décidé également par la suite de créer un fonds d'urgence et un fonds de secours. Dans le fonds de secours, je voudrais y mettre au moins 3 mois de salaire. Donc voilà, peut-être qu'avec ça, je créerai cette enveloppe. Je ne sais pas. Il faut également que je crée une enveloppe épargne retraite, puisque bah, pour moi, ça va être compliqué hein, la retraite. Donc du coup, voilà. Donc ça serait bien que j'ai un petit complément. Voilà, et je réfléchis également à ouvrir un compte épargne retraite. Je ne sais pas, je vais voir tout ça en temps utile. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. On verra comment vont se passer les choses dans l'avenir. Donc voilà, sur ce, moi, je vais vous laisser là. C'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit commentaire comme d'habitude, un petit pouce. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, pourquoi pas. Et en attendant, moi, je vous fais à tous de gros, gros, gros bisous. Je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de votre budget. Bisous, bisous, à très vite.